Samuel Eto'o décroche plus de 5 milliards Eto'o liés à ses trousses. C'est une excellente nouvelle pour le football camerounais. Alors que Samuel Eto'o et la Fédération camerounaise de football se retrouvaient dans une difficulté financière assez délicate, la FIFA vient de prendre une décision qui sera une bouée d'oxygène pour l'ensemble des acteurs. En effet, la FECAFOO va bénéficier des fonds du FIFA Forward 3.0. Selon les documents, le Cameroun va toucher 5 milliards 200 millions. La FIFA va lancer la troisième phase de son programme FIFA Forward visant à soutenir les activités de ses 211 associations membres. Le programme FIFA Forward 3.0 débutera au courant de ce mois et s'étalera sur un cycle de 4 ans jusqu'en 2026. Comme toutes les autres associations membres, la FECAFOO pourra recevoir jusqu'à 8 millions USD pour le financement de ses projets et de ses coûts opérationnels. Une dotation en très nette augmentation comparée aux 3,9 millions USD alloués en 2016 lors du lancement de l'initiative par Gianni Infantino, souligne Parlons Foot 237. Mais avant de toucher cette importante somme, il y a bien évidemment des paramètres à respecter. L'obtention des fonds FIFA Forward est soumise au respect de plusieurs critères, notamment l'organisation sur le plan national et ou régional des compétitions de football féminin, de football jeune, de beach soccer, ou la présentation d'un projet de construction d'une infrastructure de football. Au Cameroun, toutes ces activités ont progressivement vu le jour sous le mandat de Sédou Mbombo Nvoya et se poursuivent actuellement avec le président Samuel Eto'o, précise Parlons Foot 237. Avec cette somme, Samuel Eto'o pourrait aussi épurer ses dettes contractées notamment auprès de l'État dans les préparatifs pour le Mondial au Qatar.